stations, etc. Parce que c'est vraiment des athlètes. Hein. Ils mettent une vitesse et un rythme. C'était vraiment très très dur. Vous avez été surpris au début, justement. Tout le match, hein, même à la fin, ils sprintaient encore pour aller aux touches. On était à peine arrivés, ils avaient déjà lancé le ballon et c'était reparti. Quoi. C'est vraiment des athlètes, hein, vraiment. Donc voilà, on peut être fier un peu de notre performance parce que c'est vraiment une très 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 belle équipe. Voilà, maintenant, par la suite, si on veut espérer continuer à faire des bons matchs, il faudra qu'on essaye de les finir à 15. Et juste ça, après, bon, c'est un fait de match, un fait de jeu, c'est pas comme ça arrive assez régulièrement dans le rugby, quoi. Mais bon, voilà, on peut être satisfait de l'état du football. Ouais, on a vu un match, de Coupe d'Europe, quoi. Ouais, du Coupe d'Europe avec tout ce que ça comporte dans le match, puisque ça a été compliqué pendant 10 minutes, 0-14, ensuite on est revenu dans le match, on remarque vite que ça nous a fait du bien, on prend un drop, même si on doit marquer un essai sur le drop. Après on a ce carton rouge, il a fallu serrer les miches, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. C'est un bon match de rugby. Donc la solidarité, c'est quoi la solidarité? C'est se battre ensemble, voilà, c'est ce qu'on fait tout le temps. Sauf, on ne l'a pas fait contre le Stade français. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. La solidarité, ça sert aussi, ou le cercle pour nous, ça sert aussi quand il y a une ligne manuelle qui est en difficulté, il faut que l'autre ligne soit la meilleure pour compenser la difficulté de la ligne. Contre le Stade français, on était en grande difficulté sur les avants et tout le monde a baissé la tête. C'est pas ça le cercle. C'est-à-dire, quand tu es comme ça, tu as un cercle fragile. C'est pas ça. Aujourd'hui, on a perdu des joueurs, on a perdu Julien sur blessure, on a perdu Maman évidemment sur suspension. On s'est pas désuni, on s'est pas affolé, on n'a pas paniqué, on est resté dans ce qu'on sait faire, on est reparti au combat et on a gagné le match. C'est ça le cercle. C'est une équipe qui est juste incroyable, qui fait partie, je pense, du top 5 peut-être en Europe. Trois finales d'affilée pour eux, une victoire en 2017. On savait que c'était un client qui se déplaçait chez nous, où nous, depuis le début de saison, on avait quelques problèmes. Mais voilà, le groupe était très investi. Ça fait quelques semaines que, franchement, on travaille très bien à l'entraînement. Et quand tu le retranscris après sur le terrain, malgré toujours quelques petites approximations, ça fait beaucoup de bien. Équipe très joueuse en face, on le savait, mais c'est vrai que sur les 15-20 minutes, on a un petit peu subi. On sait qu'ils ont des grands joueurs derrière, capables d'exploits. On prend des essais où c'est qu'on ne s'attend pas à ce rythme-là. Et après, voilà, on s'est resserré, on est reparti sur les choses simples. On a joué simplement ce qu'on savait faire et petit à petit on est revenu dans le match et voilà, après on a construit notre match finalement et c'est vrai que voilà, c'est des matchs de très très haute intensité, on le savait, et on est vraiment très très fiers aujourd'hui d'avoir gagné.